La page Shinun Hei Alaha Kaf Hei, le livre de Shabbat. Quel est mon livre Zchora? Quel? Zchora, on n'est pas Kavva. On l'a fait Kaf Hei. On l'a fait tout ça. On l'a fait. Même Kaf Hei, on l'a fait. Kaf Hei? On l'a fait ça, on l'a fait. Non, on l'a pas fait. On refait. Din Mukse, Bechaval Hassan Giz, Taloui Bekmin Adam, Shalabé Ali, Melachen. אם אין הבעלים מקפידים להשתמש בהם לדברים אחרים, לא הוא מוקצה לדידי. אף שאחרים מקפידים שלא להשתמש בחפץ זה לדברים אחרים. ודאי לא רב, אני לא דין ומוקצה. בחמת חסון כיס, דפר דלאז'ן. On parle de quoi? Quand maintenant le בעלים, le propriétaire de l'objet, il est מקפיד. Il est pointu maintenant sur l'objet qui va se casser. C'est pour cela. Si maintenant le propriétaire de l'objet n'est pas makpid, il n'est pas pointu sur l'objet, okay, pour faire autre chose avec cet objet-là, si ce n'est pas maintenant au mouxé pour lui-même. Av, Shaharim, même si maintenant les autres, ils sont pointus sur un objet pareil. C'est la définition de Din. Ouais. Définition de Din. Mouxé Mehamad Khasson fils. Magnifique cette. Ça dépend de toi-même. Toi, tu as Kavana. Oui. Maintenant, mon homme, il a. C'est pour ça que je veux te répondre, Robert. Un homme, il a un ordinateur. Son ordinateur, maintenant, il est sur la table. D'accord ? Alors, il faut savoir que Moussa Mohamed fait son kiss, on n'a pas le droit de le bouger. Mohamed Goufo, Mohamed Bekomo. C'est un détail très difficile. Si maintenant, toi, tu en général, tu peux prendre maintenant ton ordinateur. On parle de Mohamed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai peur qu'il va se casser? Non, ou quoi? Non. Hamad Boufo. La maison, il veut l'utiliser pour lui. Je vais l'utiliser maintenant pour casser une noix. Non, mais l'ordinateur, je peux l'utiliser pour casser une noix. Pourquoi je vais le déplacer? Il veut mettre l'ordinateur pour. Pareil, il y a des feuilles qui s'envolent. Moi, par exemple, ça fait deux Shabbats. Mon fils, il m'a ramené son iPad. Il est en train de charger dans ma chambre. Dans mon tiroir, il est venu me ramener le petit. Ah bah. Non, ça peut tu le prends pas. C'est vrai. Mais c'est pas ça, on parle maintenant. Pourquoi je le prends pas? Je sais pas maintenant. Pourquoi je le prends pas? Non, parce que c'est mouxé. Mouxé de quoi? Mais c'est pas ça, son kiss. Pourquoi? Est-ce que tu prends maintenant? Parce que. Est-ce que tu Annie, prends. Annie, l'or, pas tricher. Écoute, est-ce que tu prends ce iPad là maintenant? Tu prends, tu vas taper une vis avec, un clou avec? Tu vois, est-ce que tu vas le prendre maintenant pour bloquer les pages qui s'envolent pas? Non, moi je vois pas les choses comme ça. Ouais. Non, attends, je sais pas, je n'y a. Est-ce que tu vas le prendre maintenant, tu vas le bloquer ta porte qu'elle bouge pas? Si tu as l'homme qui pide Alze, l'imkra moukse, avec l'homme Mohamed 70. Mohamed Boufo, c'est pour cela, Mohamed Boufo, Mohamed Boufo. Si maintenant tu peux maintenant prendre ce moukse là et utiliser vraiment Shabbat et tu veux bloquer tes pages qui ne s'envolent pas, c'est Mouta. Ou par exemple, Mohamed Boufo, ton fils il l'a mis sur la table. Toi, tu veux maintenant le bouger de ta table, tu pourras. Mais si c'est Moukse Mehamad 70, que tu es maquille sur cela, alors là, tu, même Tzorek Mekomo, Tzorek Boufo, c'est à sourd de le bouger. Mais non. La question que tu vas poser avec ton fils, c'est Moukse, c'est pas le droit de le prendre dans la main. Mais moi, je veux pas la chose comme ça. J'essaie de jouer. Mazé Marpidala, du Jubi, c'est le fait que je lui laisse dans sa main. Parce que si je lui laisse dans sa main, il y en a un, il va voir son fils de deux ans avec son fils. Entends ça, entends ça, c'est qui tu entends. On va s'exprimer. Voilà, bravo. Je vous dis, moi pour moi, le fait de lui laisser dans la main, il y en a un autre qui va voir son fils avec son téléphone de un, qui a, il a un an et demi, il va venir le racheter, il va peur qu'il lui casse le massard. Tout ce que tu moi, veux. Moi, leur patli. Alors, tout ce que tu veux, mais c'est pas ça l'Agdara. Reviens le café, regarde le café. דין מוקצה מהמד כחסון כיס, תלוי בכבדתם של הבעלים. ולכן, אם אין הבעלים מקפידים להשתמש בהם לדברים אחרים, סימנו לבעלים, אילי פעם מקפיד לפר עוד חושוז אבק. כמו באקזם, הייתו אייפד, Tu peux, en général tu le prends, tu bloques les pages qui s'envolent pas, ou tu attrapes ta porte pour pas que elle se ferme. Tu n'es pas makpid. Pour lui, c'est un iPad, c'est comme une pierre. Alors là, ça ne s'appelle pas Moukse Mehamad 70.
Et ça sera mon tard maintenant. Si tu as besoin de l'endroit où il se trouve l'iPad, ou tu as besoin du iPad pour casser une noix, tu peux le prendre et le transporter. Maintenant, s'il est dans la main de ton fils, même si maintenant il n'est pas Moukse Mehamad Rasul, qui s'assoit le khadr pour le prendre, une des halakhot qu'elle dit, elle dit comme ça. Si c'est un enfant qui a une pierre dans la main et il te dit, papa, papa, prends-moi. Même s'il a une pierre dans la main, tu peux le prendre l'enfant dans tes bras. Ah, c'est moursé dans sa main. Oh, peut-être on craint que lui, que toi tu vas prendre sa pierre de sa main. Alors, il dit non, pourquoi? Parce que l'enfant, il a des gargouilles à son père. Ah, ben une fille, non. Une fille, tu n'as pas le droit de la prendre maintenant sur ton dos. Enlève ma fille la pierre. Je te prends. Prends la pierre, mets-la par terre. Je te prends. C'est la suite. Rav, j'ai une question. Maintenant, quand moi je fais mettre le téléphone dans ma poche de mon manteau, parce qu'il y avait ma chaise, il y avait le manteau qui était posé. Ah oui, mais la table, il y avait mon manteau, je lui dis, mets ici. Alors il a mis ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La chaise, je ne peux plus la toucher. Le manteau, je ne peux plus la toucher, c'est sûr. Mais la chaise. Aussi? Comment je fais? Je suis assis sur la chaise. Tu peux t'asseoir, mais pas la bouger. Ça s'appelle passer cet avare à assaut. Ah ben là, d'avoir un sou, ma moutarde. Où est moutard? Qui toi, tu es moutard? Moi, je moutarde la chaise aussi, le moutard. Mais mon manteau, il est moutard. Il est venu un sou. Non, mais le manteau, il est devenu pas 6. C'est là. Si dans ton manteau, tu avais un bonbon, alors ça dépend. C'est plus khachoub le iPad que le bonbon. Tu pourras pas le bouger. Mais si tu prends une bague, tu le mets maintenant, Shabbat même, tu prends, et tu le mets sur la chaise. Tu prends la chaise, tu peux la bouger. Où tu prends le manteau, tu mets une bague dans le manteau, je ne dis pas que c'est bouta, tu prends ton manteau, tu mets la bague dans ton manteau, ça s'appelle pas si c'est d'avoir un moutard et d'avoir un assou. Tu peux prendre maintenant ce manteau-là et le transporter et le pendre dans ta chambre. Parce que ça s'appelle pas si c'est d'avoir un moutard et d'avoir un assou. Pourquoi cette bague elle venait interdire le manteau? La bague n'est pas moussée? Oui, c'est pour cela. Puisque maintenant tu as le iPad dans ta veste, ça s'appelle Bassis de Davar Asou. Si tu mets maintenant la bague dedans, ça s'appelle Bassis de Davar Moutar et Davar Asou. Mais là, tu pourras transporter le manteau et le mettre ailleurs. Yom Tov. Ben, Shabbat. Je comprends pas ce que c'est le Davar Asou dans la bague. La bague. J'ai dit, quand tu mets la bague dans le manteau, alors c'est Bassis et d'avoir assou la moutarde. Le iPad, il est assou. Ah, il y avait le iPad et la bague. Bah donc, au moins, il dit, moi, vous voyez. Non, je croyais que. Ou le. Tu réponds à ta question. Ah, d'accord. Il a. Ah, si je rajoute la bague avec l'iPad, je peux le déplacer. Même le Shabbat. Mais mon manteau, il est déjà d'avoir un moutarde. Non, mais ça s'appelle un Bassis, parce que c'est la poche. Tu as mis l'iPad dedans. Donc je peux faire un tikkun en mettant la bague. Voilà. Un homme, il a un verre, un bol avec des pépites. Avec des pépites. Et il mange. On ne parle pas de ça grave chez le rey. C'est pas encore répugnant. Ça va, il peut supporter ça. Il met les clipotes. Maintenant, le problème, il veut prendre maintenant ce qu'il a là. Maintenant, il veut le mettre maintenant, le jeter dans la poubelle. Ah, tout simplement tard, c'est moutier ou pas? Hein? La poubelle, elle est moutier ou pas? Non. Pourquoi elle n'est pas moutier? Parce qu'il y a des choses qui sont mangeables pour les BMO. Pour les BMO. Ça s'appelle moutier. Ça s'appelle. Bassis, c'est d'avoir un souverain à mouta. Alors maintenant, ce récipient-là, maintenant, quand tu as tes pépites dedans, quand c'est pas répugnant, tu peux carrément, après que tu as fini, ah, mince, j'ai pas, qu'est-ce que je vais faire maintenant, le bouger, le transporter? Tu prends. Un morceau de gâteau, un morceau de quelque chose que tu as. Une pépite entière. Hein? Une pépite entière. Oui, la faute. Je voulais pas te dire ça aussi, mais il y en a qui disent une pépite entière, ça va. Mais quand tu mets une pépite avec 100 escrocs de pépites, peut-être c'est mis pas tel. Il y en a qui disent comme ça. Alors tu peux mettre une pépite, ça va. Tu peux transporter tout. Mais c'est après, maintenant. Pas avant. Pas avant que tu commences à mettre les écoles. C'est conseillé écoles. De mettre la pépite que c'est les moutérettes avant. Mais si tu l'as pas mis, il y a pas de. Tu peux le mettre. Okay. C'est ça, il y aura qui dit.
يتبسوا بك يبغوا على شوفهم يخلي الصوت على بلا نيحه كان كان على شوفهم قلت لها سي راه ما شوفهم وي J'ai jamais entendu ce que j'ai dit tout à l'heure à Ouven. J'ai dit avant qu'ils arrivent à Grav Shel Rei. Ça, c'est Moutar Mishum Grav Shel Rei, mon cher. Mais un homme, il n'est pas dégoûtant. Moi, ça veut dire, moi, je veux des clipotes sur une table, c'est dégoûtant. Ça dépend de la personne, mon cher. Si c'est dégoûtant. Mais non, tu as un récipient, non. Il a un récipient. Il y en a qui mangent des pépites. C'est dire, on ne parle pas des gens qui sont comme ça. On parle de bonhomme, mais non, il a un récipient. Si c'est un récipient, c'est pas répugnant. Est-ce qu'il a un éther de transporter ce récipient-là? Non. Si c'est répugnant, mais non, pas besoin de mettre un morceau de pain ou un gâteau. Si c'est répugnant, c'est ça qui l'a emmené Moshe. Ça s'appelle Grav Shel Rei. Michoum, Mihous, Moutal et Taltel. Si maintenant, tu as sur la table un récipient et tu as plein de pépites et c'est pas les laisser comme ça. Ça dépend du Benadam. Engmaram et Foresh, j'ai dit comme ça là-bas. J'ai dit comment tu peux rester dans une chambre que pareil, il y avait un tuyau qui coulait. Mais Amarzeb, les malas, ça coulait. Il lui dit Mabaya, si Metamita Shel Khashama, et qui que tu mets ta mita là-bas, et c'est, je ne peux pas rester ici, tu peux transporter ça. Tu peux le bouger. Alors, la halakha, elle dit, pas besoin maintenant que tu te mets dans cette situation, pareil, que tu mets ta, tu t'assois là-bas. Et c'est que c'est grave, Shel Rei, qu'est-ce que tu fais? Tu peux prendre ça et tu peux le jeter. Pas besoin de mettre une pépite. Mais va dire que c'est sûr, les khatris là, avant tout cela, avant d'arriver... à Grav Shel Rei, tu mets une pépite. Mais là, c'est d'avoir un peu tard. Et d'avoir un saut.